Salut les amis, me revoilà pour le solo de Call of Duty. Donc on est déjà au quatrième épisode. Donc bienvenue. Bienvenue pour me voir mourir, mourir et encore mourir, mais il n'y aura pas que ça. Depuis un mois, nous avons resserré l'étau autour des derniers Boches en fuite en faisant route vers Paris. Mais comme un serpent pris au piège, je suis sûr qu'ils vont encore frapper une dernière fois. Donc bien sûr, on refait la mission, mais cette fois-ci, part sur le vétéran. Si on veut prendre le dessus, on doit être prêt à tout. Même à travailler avec le SOE, les forces spéciales britanniques. Il y a un truc qui se prépare. Tu m'étonnes. Même Davis est là. Nous avons reçu des renseignements de la résistance à propos d'un train allemand stationné à Argentan. Transporterait des fusées V2 en prévision d'une attaque sur Paris. Cet arrêt à Argentan nous laisse le temps de positionner notre escouade. Ce train doit être stoppé. Vous avez brillé à Marigny. Pour cette raison, nous vous offrons cette occasion et ce privilège. Merci, mon colonel. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE? On dirait que vous l'avez bien entamé. Vous en faites pas, lieutenant. On vous en a gardé un peu. Les agents Vivian et Crowley dirigeront les opérations. Ils travaillent avec la résistance depuis des mois et connaissent parfaitement la région. Vous vous en remettrez à eux. On a appris pour Marigny. Beau boulot. Ah, c'est un travail d'équipe. On a fait que notre travail. C'est du bon travail, mais juste une mise en bouche, j'en ai peur. Ce train n'a rien d'ordinaire. C'est un véritable bunker sur rail. La liaison avec la résistance Rousseau nous aidera si c'est possible. Mais s'il y a des attaques sur leur réseau, on devra se débrouiller seul. Le destin de Paris est entre vos mains. Rien que ça. Oh putain, tu te vois, je suis un peu crevé là. Je me redresse. Ça me rappelle notre parachutage dans le Vercors. La Gestapo en a bien bavé. T'es qu'une vieille nostalgique. Bon, voilà la cible. On dit beaucoup de mal des Boches, mais leurs trains sont à l'heure. C'est le plus gros train que j'ai jamais vu. Et sacrément blindé. C'est un Panzerzug. Ces V2 portent à plus de 300 km. Assez pour atteindre Paris. On doit faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver. Chut, chut, chut. Mouvement ennemi devant nous. Bon, Viviane et moi, on va s'en charger. Turner, ce sera votre signal. Daniels, vu tes exploits avec Zussmann à Marigny, tu fourniras un appui-feu. Allez. Ok, go. C'est pas mon bien. Utilise ton silencieux. Éliminez ce tireur d'élite. Utilisez votre couteau, Daniels. Ici. Déjà dessus. Au revoir. Bien joué, Daniels. Maintenant, l'officier. Quand vous voulez. Daniels, reste avec Crowley. Allez, avancez. Merde. Non. Chut. Attention. Bien joué. On bouge. Was war das? Ich muss das Kommando informieren. Vous pouvez pas les tuer, non? Crois que je peux enlever mon silencieux, hein. La dispersion, s'il vous plaît. Hein. Pour la discrétion, je repasserai. Bah tiens, justement, parlant d'autre. Daniels, reste avec Crowley. Ouais, mais c'est pas une bonne idée. Pas pourquoi j'ai projeté dans le. Me fait. Ça sent pas bon. Attention.
Ah mais vas-y, fais ce que tu veux, il te voit. Le cut, il me voit. Et toi, tu fous quoi exactement là? À part faire acte de présent. Ce viseur de bouger comme ça. Bon bah d'accord. Allez, on va dire c'était un échauffement. Et faites le tour de la maison. Daniels, reste avec Crowley. Allez, avancez. Faites pas de bruit. Chut. Attention. Bien joué. On bouge. Waouh. On bouge. Ouais. Ah ouf toi. Comment t'as fait pour passer? Non, je me lèverai pas. La poussière. On vous laisse le tireur d'élite, Daniels. Avancez doucement. Vous voyez les gars, j'arrive à être silencieux quand je veux. Ah rien que ça. Bah oui, je suis sur les rails, tiens. Ça va être pas. Croyez pas, je n'existe pas. L'ombre de moi-même. Faites comme si. Alors, identifizieren Sie sich! On l'a fait ici. Invité. Ah désolé, le cap planté les frères. Fini. En train de faire là. Oh, tu m'as payé. Ah, c'est pas moi cette fois-ci. Hein. Il doit pas nous échapper. Prends tes munitions, Daniel. On va se dépêcher. Ennemi au bureau de poste. Bon, toi, tu vas me donner rien du tout. Ça fait quoi, toi? T'enlèves la mine. Ça sera toi. Merci. Ah non, ça me fait rappeler la mission d'hier, ça, quand j'ai essayé de voler. Pas nous échapper.
Ah merde, il est mort. Bah oui, mais je peux pas. Pas sauver tout le monde, moi. Déjà, je me sauve moi-même, pro. Non, mais et, il est sérieux, l'autre là-bas dans la baraque. Il sort d'où exactement? Oups. Changement de programme. Et qu'est-ce qu'il fout aussi devant moi, lui? Il doit pas nous échapper. J'ai des munitions pour toi, soldat. Ennemi au bureau de poste. Oh, oubliez-moi là, je n'existe pas. Eh, hey, mais il est fou, lui. Il doit pas nous échapper. Moi, de loin, j'arrive à les niquer, eux, de près, ils arrivent même pas en tuer. J'ai des munitions là. Ouais, bah... Ah mais en plus il y a un blessé à côté de lui, parce qu'on avait rien à cirer quoi. On en a deux. On va avoir un blessé et un mort. C'est pas facile avec une mitraille ça. C'est chez toi là-bas. Par contre, ça, le système là où tu te cachais, ça se soignait tout seul, je le regrette. Changement de programme. On s'est fait repérer. C'est quand même mieux. Oh, je sais, vous allez me dire que je suis réaliste. C'était mieux. Ouais, mais va. Non, j'ai rien dit. Vas-y, oh. Il faut que je me trouve une autre arme. Ça va le faire. Il est toi. Oula. En suite à un moment. Ah mais non mais tu, l'intelligence quoi. C'est quand même abusé. T'as deux chiens, t'as un million de soldats, mais ils m'attaquent que moi. Le mec, il sort tout. Il y a personne là. Mais il est bugué ce jeu. Moi, il faut que j'apprenne à viser. Et il se cache au moment que le truc.
toi, l'ami. Surtout, venez pas m'aider, hein. Si je me base par rapport à mes coéquipiers là, je sais mieux viser que eux. Ça me rassure. Ou pas. Oh, je sais pas ça. Ah ouais. C'est là. Mais non. Non, 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 j'ai été à la porte. Oh mais non. Non, mais va te faire foutre là. On fout, j'y vais. Bon, d'accord, c'est pas une solution. À vous. Sauvré, coûte que coûte. Accroche-toi, l'ami. Prends des munitions, Daniel. Vas-y, balance. Attrape ça. En voilà par ici. Prends tes munitions, Daniel. Allez, vite, 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 vite. Daniel, ouvre la porte. Je ouvre la porte avec l'ennemi à côté de moi. Non, mais... Regarde, l'autre, il est en train de me tirer dessus, quoi. Tout le monde en a rien à foutre, le boss, il est là en train de me... bombarder la gueule. Allez, allez! Accroche-toi! Merde, attention! Et reste sur le chemin! Les arbres tombent! Quel chemin? Tu le vois? Là-bas, le dégât! On va le perdre! À gauche! Ouais, tu me dis à gauche et après tu me dis virage à droite. Hé, hey, tu veux? L'autre voiture, elle a disparu. Ah non, elle est là. Reste sur le chemin. Les arbres tombent. Ah, mais quel chemin! Tu le vois? Là-bas, venez les gars! On va le faire à gauche! Virage à droite.
Je sais, je suis silence en fait pour ça. Non, c'est rare que je ferme ma gueule. Hein. Oh là là, oh là. Oh non. Putain, cause un caillou quoi. Ouais, bah oui, ça apparaît dans le virage. Pourquoi tu me tires dessus, toi? Bah, excuse-moi, rapide, c'est très simple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je vole par-dessus le caillou? Attends, pas. Et sinon, à part me faire apparaître dans le virage? Je suis à fond, je te signale. Là. Oh, il était par là. Ah ouais, pas par là. Ah, ouais, voilà, exactement. Vas-y, roule. Mais fais chier de se faire choper là. Sors-nous de là. Ils pourront pas nous toucher si on se rapproche. Grenade. D'accord. Putain. Bah, et tu dis que moi je sais pas rouler hein. T'es pas vu mon gars. J'aimais bien ma tête. Oh, comme il a volé celui-là. Le train est arrêté. Daniel, c'est où, putain? J'arrive, tiens bon. Putain de merde. On vient de faire ça? Autant qu'on s'en soit tiré. Waouh, ça fera date. J'espère que Styles a des photos. Personne ne nous lâcherait peut-être même pendant 5 toutes minutes. Fais gaffe! Suivez-moi. Pour rejoindre votre section. Pardon, mais... Mais vous êtes qui, vous? Une amie. Faut se dépêcher. Trousse de secours, dispo! Vicky, son abri... Et voilà! Alles klar! Baissez-vous, restez pas les uns sur les autres! Je vais me soigner pour me re-soigner, quoi. Ils arrivent! Ah bon, si vous mourrez, ça m'arrangerait, quoi. Ah.
Voilà. Comment veux-tu aller au fusil à pompe? Tu t'en prends deux, t'es meurt. Ça sert à rien du tout, ce putain de fusil à pompe de merde. Ah. Ah, lui, Steve, il est encore prêt. Ouvrez les yeux et les oreilles, vite! Balance-la! Tiens! Chaud devant! Non, je veux même pas entendre de commentaires. Ça, c'est le style de mec, tu sais, qui va se dire « Ouais, j'ai survécu au train, au crash de train et tout. » Et à peine il se relève, pour lui, il s'en prend une. Oh, t'es pas mort. Non, t'es pas mort. Non, mais c'est du passage de gueule, quand même, ce jeu. En fait, c'est que c'est pas que c'est plus dur, en fait, c'est que tu te prends une balle, t'es mort, quoi. Il est même pas mort encore. Je vais le prendre sur arme. Ah, bien joué. Passe devant moi. Tu vas crever. Ah, je vous jure, des moments j'échangerai bien ma main. Que je puisse reviser de nouveau. Pourquoi il y a des points d'interrogation? Pas les faire souffrir. Ah, d'accord. Normal. Prends ton temps pour recharger. Hein.
Non mais, hey, mais sérieux quoi, ils pourraient revoir leur intelligence artificielle là. Votre squad n'est pas loin. Je vais noter pas parce qu'on a plus de balles. On y est presque. Allez. On n'a pas de temps à perdre. Ouais, oh, calme-toi. Qu'est-ce que je veux? La rame, là. Je crois bien que ce sont des hommes à vous. Ah, vous avez rencontré Rousseau. Elle est du maquis, résistance française. Elle a tué un Boche qui nous tirait dessus. Vous pourriez au moins essayer de les interroger avant. Ils apporteraient plus d'ennuis qu'autre chose. C'est pas passé loin. Vous avez fait un sacré grabuge. Vous étiez censé stopper le train, mais pas le détruire. Ouais, on l'a stoppé. Tout n'est pas tourné comme prévu, mais d'un autre côté, on vient d'alerter toutes les garnisons allemandes qui se trouvent dans le secteur. Donc on ferait mieux d'y aller. Allez, en route. Non, pas avant de finir la mission. Vous confirmez, Major? On a besoin que vous dénichiez. J'ignore comment, mais Zus et moi avons survécu à la destruction du train. Assez longtemps pour tomber sur une Française du genre Corias. Une dénommée Rousseau. Elle appartient à la... Et devine un peu, elle nous a envoyé chercher des documents dans les débris. Elle en avait besoin pour une mission à Paris. Et elle a du boulot pour nous. En faisant sauter ce train, nous avons offert un peu de temps à Paris. La résistance va pouvoir utiliser les documents récupérés pour infiltrer un QG nazi dans la ville. J'ai vraiment hâte. Ben voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'être venus. Merci de m'avoir regardé mourir. Mourir et encore mourir. Bon, je vous l'avais prévenu, hein. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Non, sinon, ça me fait chaud au cœur que vous soyez là. Donc, je vous dis à la prochaine. À demain, peut-être à minuit, pour faire l'épisode suivant, le 5e, je crois. Donc, sur ce, les amis, amusez-vous bien. Allez, ciao!